Allez, c'est par là. Vas-y, tu peux t'asseoir ici. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut? Oui, écoutez, attendez. Bon. Oh, encore toi. Monsieur. Attends, monsieur docteur Foufou. Oui, bonjour. On a un énorme problème. Vas-y, ouvre les yeux. Qu'est-ce que t'as mangé hier? Attends, essaye d'ouvrir les yeux. C'est mon maximum. T'as mangé des carottes ou quoi? Non, mais. Elle a un gros problème. Et on sait pas pourquoi. Ah. Bon, il faut que vous la soigniez parce que là, c'est. Suis-moi. Ça devient très grave. Voilà. Mets-toi ici. Bon, Lily Rose, essaye d'ouvrir tes yeux. Non, mais bon, on vous maximum. On vous a dit qu'elle pouvait pas. Oui, mais je dois quand même voir. Si je peux dire. Allez, est-ce que tu vois mes doigts? Non? Alors, j'ai un remède. Non, monsieur docteur. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? Elle est devenue aveugle. Comment ça? Elle voit plus rien depuis tout à l'heure. Ah, bon, j'ai un remède. Regardez. Oui, effectivement, elle a dû manger quelque chose qui allait pas. Ah, mais c'est quoi ça? Alors, c'est la yoyolite. Alors, voilà, c'est des médicaments, c'est des... C'est quoi ça? Alors, c'est un médicament qui permet de revoir. Alors, c'est des yeux, d'accord. Attends, mais Lily Rose, heureusement que tu vois pas, là, ça a l'air dégoûtant. C'est pas une Non, c'est pas dégoûtant, c'est délicieux. C'est quoi, Alors, c'est comme des... On va dire, c'est comme des bonbons avec des yeux. Vas-y, regarde, touche ça. Regarde, touche ça. Ah, mais c'est quoi ça? C'est dégoûtant, mais regardez, les amis. Donnez-lui un premier œil. On va préparer ses affaires et on revient cet après-midi, d'accord? Tu manges ça déjà tout de suite avec un bon petit verre d'eau et tu vas voir, ça va déjà commencer à aller mieux. Comment on ouvre ça? D'accord, pendant une semaine. Ah, vas-y, attends, il faut pas l'éclater là. Parce que j'ai l'impression que c'est un vrai œil. Lily Rose. Quoi? T'inquiète pas, on va rentrer à la maison et on va trouver une solution. Et on va revenir cet après-midi, d'accord? Mais j'ai une idée. Tu vas pas manger que ça pendant une semaine, c'est pas possible. Bon, c'est bon, c'est ouvert. Ah, voilà. C'est très délicieux. Ah, c'est horrible. Bon, tiens, alors, c'est ici, voilà. Ah, heureusement que tu le vois. Ah, c'est un peu gélatineux, mais bon. Je dois le manger. Vas-y. D'un coup. Ouais, il faut manger d'un coup. Ah, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce truc? On revient tout à l'heure, on va chercher ses affaires. D'accord, c'est vrai qu'elle est aveugle, ne faites pas de bruit parce que... Bon les amis, on se retrouve tout de suite chez nous. On va chercher des affaires de Lily Rose. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu au début ce qui s'est passé. Lily Rose a eu des gros problèmes au niveau de ses yeux. Là ça va grâce au premier œil du médecin. Ça va un peu mieux. Grâce au docteur là, grâce au premier œil. En vrai c'était dégueu mais ça marche. Regardez ses yeux. C'est beaucoup mieux. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Elle arrive à voir un peu. Mais le problème, c'est qu'elle doit rester une semaine entière à l'hôpital. Ouais. Du coup, les amis, on vous a préparé un truc de fou, là. On va vous apprendre à faire passer des bonbons à l'hôpital. Parce qu'elle va devoir y retourner cet après-midi. Ouais, non, mais franchement, une semaine, ça va être hyper long. Je sais pas comment on va faire. Mais surtout, à manger que des yeux comme mais ça. Mais oui, en plus, c'est vraiment pas bon. J'ai en mangé plusieurs par jour. On va préparer sa valise et on va cacher plein de bonbons à l'intérieur. On va faire passer des bonbons à l'hôpital. Et ça tombe bien parce que là, il y a pas longtemps, on a acheté plein de bonbons ultra particuliers. On va tout vous montrer. On a acheté, regardez là, c'est des bonbons toilettes, des bonbons burger. On a des bonbons comme ça en forme de bubble tea. J'ai quelques astuces à apprendre aux abonnés. C'est comme quand on a fait passer des bonbons en salle de classe, t'inquiète. Regarde. Déjà, à l'hôpital, tu vas y aller avec une valise. Parce que quand même, une semaine, c'est pas rien. Tu vas y aller avec une valise et on va cacher plein de bonbons dans tes affaires. Allez, c'est parti. C'est parti, on va tout mettre dans la valise. Astuce numéro 1, donc regardez là, on a la valise comme ça. Donc on va essayer de tout faire rentrer dedans. Mais si on met les bonbons dans la valise, le docteur là, il va te repérer direct. Ouais, c'est sûr. Et il va te virer de l'hôpital. Même s'il est un petit peu bizarre, je pense qu'il va quand même le voir. Il va tout jeter à la poubelle et tu vas te retrouver à manger des yeux pendant une semaine. Allez, hop, on va ouvrir ça. C'est énorme, il y en a plein. Allez, hop. Non mais regardez, on dirait les trucs qu'il y a à vendre dans les boulangeries et ouais, tout. Ouais, bah c'est ça, non? Moi je pensais que c'était un petit fit. Allez, hop. On va en cacher combien? On va quand même en goûter un dans la vidéo là. Oula, ok. Et après on va essayer de cacher les autres. Attends. Quelques-uns dans la valise. Je vais essayer de l'ouvrir. Là c'était galère à ouvrir, là je sais pas bon, qui... c'est impossible. Je sais pas qui vend ça, mais faites des ouvertures faciles. Ouais, donc voilà. À la fin on a un truc comme ça, regardez. Je pense qu'il faut se faire dans la bouche, non? Ah ouais. Ah, oh, c'est pas bon. Ouais, c'est acide. En fait, c'est bizarre. Attends, ouvre. Oh, il est pire le tien. Et on dirait des trucs pour mettre dans les toilettes. Non, mais honnêtement, ça goûte. On dirait le désodorisant.
Bah allez, en cas de petite soif. Mais ça, en fait, on peut faire croire au docteur que c'est de l'eau. Que c'est le truc pour les toilettes là. On n'a pas besoin d'utiliser d'astuce parce que l'astuce c'est de dire que c'est du parfum, enfin du désodorant. Voilà. Donc on va les mettre comme ça. On les met tout simplement comme ça dans la valise. Ça, ça va passer. Après, on va mettre 2-3 t-shirts pour que ça soit crédible. Ouais. C'est des sucettes à tremper dans un bonbon liquide acidulé. Oh, regarde. Ah ouais, il y a de la... On dirait du slime. C'est du slime jiggly. Il est squishy. Oh, ça a pas l'air bon ça non plus. Regardez-moi ça, c'est la sucette, elle est plate. La sucette, elle est plate. Regardez, c'est comme ça. On va passer à la dégustation maintenant. Bon là, c'est toi qui vas goûter. Hein, parce que pendant une semaine, tu vas devoir manger que ça. D'accord. Ah non, le retour du plastique. Oh, mais c'est pas possible, frère. Non, mais attends, mais... Comment c'est possible d'emballer autant... Ah, ça me dégoûte, là. Ah, comment c'est possible d'emballer autant de trucs? On goûte ça. Ah, on goûte... Ah, elle a percé le truc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais j'ai pas trouvé d'autre solution. Comment? Oh là là. Ah, ça me dégoûte. Ah là, il y a une opercule. Oh, poubelle. Attends. Bon, je dois vraiment faire... Vas-y, trempe. Attends, montre aux abonnés la morve. Ah, mais c'est... Ah, oh. Oh, mais c'est quoi? Et ça sent la sauce qu'on met dans les sushis. Ah, oh. J'avoue. Ah, oh. Ah, c'est bizarre. C'est bon ou pas? En vrai, ça va. Bon, Voilà, ça c'est un 3 sur 10. Non, on va dire que c'est un peu mieux, on va dire que c'est un 4,5. Bon, on l'a remballé comme ça, on va le poser ici bien gentiment. Donc on va être obligé de les cacher, donc je pense qu'on va les cacher dans la gourde. Ça c'est l'ancienne gourde de Pink Lily. Ouais, maintenant on a une nouvelle. Bah, il y en a une nouvelle, mais elle est en rupture de stock aussi, donc voilà, vous pouvez plus l'acheter sur la boutique, mais on va cacher ça dans une gourde Pink Lily. Bon bah... On va pas gâcher ça. On va pas... Attends. Ah, si ça passe. Par contre, on peut en mettre qu'un. Ah, bon bah, bon, c'est déjà bien. Au pire, je pense que un, ça va, vu le goût. J'aimerais bien goûter ça. Ah, ça. J'ai un peu d'espoir quand même. Ça, c'est un classique de la France. Enfin, non, bah, je dis ça. Je dis ça, mais c'est un classique. Ça, tout le monde connaît. Ça, on sait que c'est correct. Regardez, ça, ça se gobe. Hop. Ah, moi je fais pas ça. Oh, par contre. Oh, c'est dur. Allez, ça on en ça, prend. Ça on peut en mettre plusieurs. On en prend une bonne poignée. Et pareil, on met ça dans une trousse Pink Lily. On va mettre 2-3 stylos avec. Bah, d'ailleurs, on a mis des stylos Pink Lily. Voilà. Écrit. N'empêche, et bientôt tu pourras faire une maison Pink Lily. On va faire des serviettes. Bon, mais non, pas trop non plus. Hein, parce que imagine, il le voit. Non, mais tu restes une semaine. Ouais, c'est vrai. C'est donc vrai. Faut. Voilà. La trousse Pink Lily est pleine et on la met à côté d'ici. Et évidemment, voilà. Regardez, on va mettre des t-shirts Pink Lily. Eh oui, Pop-It. On met des t-shirts Pop-It Mania qui sont en rupture de stock aussi bientôt. Ouais. Il doit en rester 2 ou 3. Hop, on les met au-dessus ici, comme ça, ça fait une valise un peu crédible. Parce que bon, sinon il va se dire. Il va se dire, mais attends, mais c'est quoi ça? On va mettre un petit t-shirt Kangoo Jump aussi. Ça a bubblegum comme l'album. L'album Bubblegum. Pour ceux qui savent pas, Lily Rose a sorti un album Pink Lily qui s'appelle Bubblegum. Ça c'est... Ah mais attends, c'est quoi ça? Attends. Ah oui, bah... ah mais c'est... Mais attends, mais y en ah, a c'est... c'est des tout petits. Mais oui. Moi je pensais que c'était des gros rouleaux de chewing-gum. Alors, tac. Allez. C'est quoi ça? Montre comment ça s'ouvre. Ah oui, ok. Ah oh, non, mais je voulais pas que ça soit comme ça. Moi je voulais que ça soit des rouleaux qu'on tire. Ah, bon, non. On va quand même vous faire la déguste. Ouais, bon, allez. Tiens. Bah ça en vrai, il faut quand même le cacher un petit peu. Du coup, est-ce qu'on le cache dans une boîte de Switch? Allez. Ça c'est une technique que j'ai inventée aussi. Ça, cette technique, elle marche pas si on veut emmener des bonbons à l'école. Mais à l'hôpital, comme t'as le droit de te divertir, prendre ce qu'on veut, bah, de voilà. T'amuser. Regardez-moi ça, cette technique. Cette technique là, hop, hop. Comme ça, il va rien voir du tout. Il va croire que t'es venu avec ta petite Switch tranquille. Et ça prend place dans la valise. Ça rentre pas, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, allez, suivant. On a des toilettes. Le dernier, le plus intéressant, le plus BG, le plus incroyable, le plus spectaculaire, les toilettes. Pink, non, ça, ça c'est pas Pink Lily. Attendez, regardez. Hop. Qu'est-ce que c'est? Attends, passe. Ah, mais ça j'ai jamais vu par contre. Moi je veux goûter à lui là. Allez. Oula, hop. Regardez.
En mode, il y a la sucette et je crois que c'est une poudre. Ah, mais poudre. Ça va être comme l'autre, là, l'autre bubble tea. Allez. Et... Ah oui, ok. Mais... Donc là, il faut retirer la sucette comme... Ok, comme ça. On va encore galérer à ouvrir la sucette, là. Voilà, ça, on retire. Et là, on se retrouve avec un petit toilette portable comme ça. Un toilette Playmobil, en fait. Hein. Ah, ok, et là, il faut tirer sur la cuvette. C'est plutôt malinx. Et en plus, après, on peut ranger. Regardez. Bon, bah non. Voilà, c'est censé ressembler à ça. Et à l'intérieur, c'est comme une poudre. Je sais pas comment trop vous expliquer, mais apparemment, il faudra tremper la sucette dans la poudre comme ça. Allez. Oh, mais c'est quoi ça, on dirait. Regardez la poudre. Vaisselle. Vas-y, attends. On va tester. Et tu trempes la sucette dans le toilette. Et tu manges. Oh, mais ça a la même odeur. C'est même pas acide. Ouais non, ça c'est un flop aussi hein. Ah, franchement, les trucs que c'était, ils ont peur. Au niveau bonbons, restez sur les basiques. Après il y a différents goûts, regarde. Ouais, il y a les roses, il y a les verts. Ouais. Il y a les marrons, enfin il y a plein de trucs. Bon allez, ça on en embarque 3 à l'opi. Donc on fait comment pour les embarquer? C'est quoi ta technique? Moi je pense qu'on devrait le mettre, on devrait mettre ça dans dans une lampe. Dans un drap. Non, non, on va mettre ça dans un coffre-fort. Ouais. Et on va dire au médecin qu'elle a besoin d'un coffre-fort pour cacher ses objets secrets. Son journal intime. Voilà, voilà. C'est ton journal intime. Ouais. Bon, hop. Allez. Les petites toilettes. Et vas-y, on met 2-3 autres bonbons avec. Comme ça. Mais par contre, il faut vraiment qu'il te repère pas. Voilà. Faut vraiment pas se faire repérer. Hop, tu gardes la clé. Hop. Mais non, mais. Ah mince. Hop, voilà. Tu mets la clé dans la valise. Donc, les amis, vas-y, tu peux fermer ta valise et après on peut retourner à l'hôpital. Bon, vous avez vu au niveau de ses yeux, ça va mieux. Ouais, mais, ça va beaucoup mais mieux. Mais t'as encore mal. Le souci, c'est que bon, elle va devoir faire le traitement du médecin, de manger les fameux 3 yeux par jour là qui étaient dégoulinants. Et voilà. Tu mets le coffre-fort avec. Ouais. Allez, c'est parti, on va à l'hôpital. Les amis, on se retrouve tout de suite dans le cabinet, dans l'hôpital du docteur Foufou. C'est bon, on est arrivé, on ça est arrivé devant le cabinet du docteur Foufou. Voilà. Bon bah vous le connaissez maintenant. Allez, vas-y, rentre. Ah, on est là. Voilà. Comme promis, on est revenu avec les affaires. D'accord, on reste là, toi. On est revenu avec les affaires. T'as beaucoup d'affaires. Oui, c'est vrai, tu restes ici pendant une semaine alors. Ouais, malheureusement. Oh, t'as ramené un coffre-fort, pourquoi? Ah, parce que j'ai des trucs secrets dedans. Ah, d'accord. Elle aime bien écrire son journal intime, du coup. Bon, ok. Elle a ramené un coffre-fort, mais ouais. Vous inquiétez pas. Bon, faut être très vigilant, faut manger que les médicaments que je t'ai donnés. Oui. Hein, les yeux là. Que les yeux. Only eyes. D'accord, ok. Ouais, only eyes. Oh là bon, là, tu es tout ça. Bon, bah, installe-toi. Bah écoute, Lily Rose, tiens, mets la blouse de médicale. Voilà. Ah. Installe-toi. Là, franchement. Alors. Je vais t'aider à ouvrir tes affaires. On n'a pas besoin d'aide. Non, on n'a pas besoin. Ouais, mais si, t'inquiète, je non, suis non, là. On n'a pas besoin d'aide pour la valise. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas là. Ça tombe, il va découvrir la supercherie. Non. C'est difficile à ouvrir ta valise. Non, mais voilà. Ah, des habits. Ah oui, la trousse. Et une trousse de quoi? C'est pourquoi? Non, c'est les affaires de Lily Rose. Ah d'accord. C'est pour les gourdes. C'est quoi une boisson ça? C'est quoi? Comment ça c'est pas une boisson? Qu'est-ce que t'as dedans? Non, donnez. Lily Rose, faut lui reprendre la gourde. Alors attends. Non mais. Oh là là, comment ça se fait que tu m'interdis de regarder? Bon. C'est quoi ça? C'est une Switch. Une Switch? Ah oui, parce que quand tu t'ennuies, tu vas jouer à la Switch. Je peux jouer à la Switch? Non. Ah, c'est quoi ça? Bah c'est pas une Switch. Bah, des bonbons. Voilà. Oh non, supercherie. Oh non. Et ça c'est quoi? Ça c'est des vêtements, Oh, des vêtements, bon ça va ça. Oh non, Lily Rose. Non mais ça va pas. Alors t'as ramené des bonbons, t'as ramené quoi d'autre? Des hamburgers, bonbons. Oh là là, Lily, et toi, Esteban? Pourquoi t'as fait ça? Et dans le coffre? Je suis sûr. Bah. Elle est où la clé? Non, elle est là, la clé.
non. Je suis sûr que c'est une supercherie encore. Ah, voilà. Hop et hop. Il a tout découvert, Lily Rose, on est foutu. Ah, ça marche pas. Vite. Ah si. Des toilettes. Mais il y a des toilettes ici. Mais bonbon avec des sucettes. Oh non mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais tu vas pas guérir, Lily. Mais on est désolé, monsieur. Moi je fais en sorte que je te guérisse et tu fais n'importe quoi. Désolé. Oh Lily Rose. Et toi là, mais et toi, je suis sûr que t'as aidé Lily Rose. Hein? Non mais je savais rien monsieur, je savais rien. Bah tu savais pas mais tu l'as quand même aidé hein. Bon Lily Rose, tiens quand même hein. Ouais non merci ça va. Et tu as pris ton deuxième. Oui. Ton deuxième neneuil là. Oui. Mais tu vois bien apparemment. Les amis, malheureusement, on est grillé, on s'est fait repérer, mais bon, Lily Rose va quand même rester une semaine ici. Il faut l'aider à retrouver correctement la vue parce que c'est compliqué là, elle a encore mal. Ouais. Nous, on se retrouve dans une autre vidéo en espérant qu'elle aille mieux. Vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît sur votre écran pour aller voir une autre vidéo de notre chaîne que vous aimez. Confisquez les bonbons, tout confisquer, c'est pour moi. À la prochaine, ciao.